non, pas encore toi. Mêle-toi donc de tes affaires. Elwynn, c'est ça? Tu manies les flammes comme les lieutenants du feu. Ah, ça brûlait déjà quand je l'ai trouvé. Quand il fait chaud, les incendies, ça part tout seul. Eh ben... Donne-nous ça, Elwynn. On a vu ta petite ombre la prendre. Qu'est-ce que tu regardes? Faites demi-tour. Partez. Et vos boyaux resteront à leur place. D'accord, d'accord. On pensait pas à mal. Tâche d'éviter les ennuis, Lastico. Je ne fais pas de prisonniers. Les ennuis ont l'air de te poursuivre. En tout cas, moi, je leur échappe encore mieux qu'une anguille. Pourquoi est-ce que tu me suis? Qu'y a-t-il de si important pour que tu risques ton petit coup? Oh, garde ton sale museau à l'écart de nos affaires. Celle de qui? De la plume? Nous? Travailler pour la plume? Ça prouve que tu ne sais rien. Ah, vraiment? C'était des hommes de la plume. Et tu les as envoyés au diable la queue entre les jambes. J'ai l'impression que tu me dois la vie. Elle est forte, et elle a du courage. Elle pourrait nous aider. Alors vous ne travaillez pas pour la plume? On vole pour rester en vie, et loin des griffes de la plume. Mais vous savez où je peux le trouver. Ils sortent des égouts, comme des rats. Allez, donne-lui ce que tu as pris. Il peut peut-être nous sauver. Bonne chance, Danoise. Essaie de ne pas finir en morceaux.